Maintenant, je suis près de Mont Saint-Michel. Sur le côté droit, il y a un arc-ciel. Et sur le gauche, il y a un mouton. Et il fait bon, mais il y a du vent. Maintenant, je marche sur le pont et il y a des marées. Ça peut être un mouvement assaudant. On parlait alors des marées montantes, floues, ou au contraire d'un mouvement descendant. On parlait alors des marées descendantes, refloues, juste un. L'île a les marées les plus hautes d'Europe et à l'arrière, il y a une très belle vue. Et sur le côté droit, aussi sur la gauche, il y a des jolis moutons. Et voilà. Selon la légende, à début du 8e siècle, l'archange Michel est apparu en rêve à l'évêque Hubert et lui a demandé de construire en son honneur un sanctuaire sur l'île Rochesse et inhospitalière et dans l'église se trouve sa statue. Il y a environ 50 magasins, restaurants et hôtels. Au Mont Saint-Michel, accueillant des millions de visiteurs annuels. C'est le site le plus visité de France après Paris. Il est intéressant de noter cependant qu'il y a si peu de résidents réels qui sont comptés les clients de l'hôtel. Seulement 25 personnes environ y dorment chaque nuit. À Mont Saint-Michel, Dieu et le clergé représentant par l'abbé sont en sommet. Juste en dessous se trouvaient des maisons appartenant à la noblesse ainsi que des magasins. Plus bas, même à l'extérieur de ces murs, se trouvaient les maisons des pêcheurs et des paysans. Malgré des siècles de guerre entre la France et l'Angleterre au sujet de la Manche, la ville n'a jamais été envahie. Le fait d'être en île à marée constitue une protection naturelle efficace et ce rempart à double extrémité constitue une défense encore plus redoutable. Deux canons anglais appelés les Michelets sont fièrement exposés dans la vie pour rappeler son invulnérabilité. L'abbaye fut autrefois en prison. Hormis le rocher d'une superficie de 7 hectares, le territoire communal comprend deux parties terrestres. 10 juin en totalisant 393 hectares. Et j'espère que vous avez trouvé intéressant cette vidéo et que vous apprécierez votre visionnage ultérieur. Et aussi, il y a 3-4 musées supplémentaires dédiés à l'histoire de ces lieux.
c'est pas à proximité du monde, c'est un peu son problème. C'est un peu commercial. Pareil pour l'Église historique, c'est votre âme historique.